Ap salye tout zanmim, tout moun, tout kamarad yo. Rezon ki fèm bral fè, map fè live sa jodi, an, bada map salye tout moun. E map fè li nan logik de solidarite avèk an pil haïsyen e kompatriot nou genyen ki nan peyi ki nan peyi etranje, swa Saint-Domingue, swa nan Zantiyo, swa au Brésil, an Amerik Latine. Et gen yon bagay ki komanse a pare de a les diskriminasyon sanitèr. C'est-à-dire que le yon moun ou pa yon citizen nan peyi, normalement ou expose a diskriminasyon sanitèr. C'est-à-dire ou pa fè parti de priorité moun li, moun ki nan lis moun pou yo jwenn tritman. Et nou kapab remarke tout, pralge en pil gran peyi komanse a travay pou yo jwenn vaksin, pou yo kapab trete maladi sa, koronavirus sa. Mais cependant, nous gardons que nous rejoignons aujourd'hui, nous sommes capables de dire que en pile, il y a 5 Haïtiens déjà, compatriotes, nous qui sommes morts en France. Et le ministère des Affaires étrangères, en Haïti, n'a pas dit un mot sur ça. Mais mon petit condoléance, il n'y a pas voté pour 5 Haïtiens, ça, compatriotes, nous sommes morts en France. Il y a des Haïtiens tout qui sont exposés dans l'autre pays. Il n'y a pas de monde qui, le ministère des Affaires étrangères, n'a pas dit rien. Gen yon situation la kap dégénéré sous frontière Saint-Domingue nan avec Haïti. Ministère a pas dit rien tout. Nous gardé nous wè en pile moun a traversé et gon flux migratoire kap traversé en pile Haïti a quitté Saint-Domingue pour entrer et Haïti nan pays à travers par des moyens précaires vio exposé. Nous capable dit que et ministère a pas dit rien pour tout ça. Moi même m'a demandé est-ce que qui plan de rapatriement que ministère ça gagne en place pour haïtiens mes amis compatriotes frères nous qui exposé dans notre pays. Il y a grand pile haïtiens qui t'a remé entrer dans pays parce que je dis hein que yo trouvé yo que au lieu t'a exposé avec virus, yo pas gagne moyen pour t'a rentrer. Moi m'a demandé qui plan Jean l'autre grand pays a fait, Jean l'autre pays a fait qui plan que ministère affaires étrangères gagnent mettre en place pour rapatrier et citoyens nous yo compatriotes nous yo qui à l'étranger cap souffri qui exposé. Raison qui fait venir m'avancer ça c'est que grand pile monde qui doit trouver ça bizarre mais m'a dit ça parce que grand pile monde qui pas comprendre phénomène ça. Imaginons maintenant citoyens pile monde en pile pays exposé avec virus ça mais s'il y a bail traitement gon travail de priorité qui va faire. Et priorité ça yo chaque pays qu'on y a pral focus sou citizen yo sou citoyen pays yo so basically m'pense le tap opportun pour gouvernement haïtien à travers ministère affaires étrangères pour yo té capable mettre en place un plan de rapatriement yon plan d'accompagnement côté que haïtien ça yo dans pays ça aussi yo exposé à question virus nan pour yo capable chercher aide auprès de consulat yo auprès de l'ambassade pays ça yo faut ta gon fond d'urgence qui ta mettre en place pour soutenir communauté haïtienne yo à l'étranger communauté haïtienne yo qui pa yo pral perdre travail yo moi m'a dit nous ça clair en pile haïtien qui vivent à l'étranger que ce soit et dans pays développé ou bien dans pays qui sous-développé dans les jours à venir yo pral exposé avec des situations financières maintenant yo pas ka jwenn travail la pral difficile pour yo ceci pour expliquer que chaque pays pral bat pour rapatrier pays et citoyen pa yo mais qui plan que Haïti gouvernement haïtien mette en place à travers ministère affaires étrangères pour accompagner communauté haïtienne yo de façon financière ou bien ba yo soins permettre à ce que yo capable rapatrier en dedans pays yo en Haïti si par cas yo ta exposé avec virus là pas rien qui prévoit pour ça. Pas de aucun plan qui est mis en place, pas de aucun consulat qui aurait été bouche bée, ambassade qui a fermé bouche sur ça. So basically, citoyens haïtiens, compatriotes, nous, qui vivent dans l'Amérique latine, dans le Brésil et Chili, citoyens haïtiens, nous, qui vivent dans le pays et Caraïbes, ils ont exposé, mais malheureusement, pas de aucun plan de rapatriement qui fait, qui mettait en place pour eux. Ça veut dire que jour et jour, non seulement, ministère affaires étrangères a pas gagné sérieux la régler avec le gouvernement mais yo abandonné tout haïtien yo femme dit nous haïtien qui vivent à l'étranger actuellement là yo pas exposé avec ça les discriminations
Yo pral expose à ça ou les discriminations sanitaires. Pas de aucun pays qui pral pran citoyen l'autre pays pour traiter yo avant citoyen pays pa yo. Chaque pays pral bat pour traiter citoyen pa yo d'abord. So basically, font l'état haïtien à travers le ministère des Affaires étrangères prévoyons premièrement yon plan de rapatriement. Comprenez? Prévoyons plan de rapatriement pour rapatrier haïtien qui a souffri dans l'autre pays qui pa gen moyen parce que yo pral perdi job. Yo pral perdi économiquement, yo pral tomber. Pour gen haïtien qu'à l'étranger, yo c'est yo k'ap supporter Haïti financièrement. Mais journée jodi a yo trouvé au pou kont yo, ambassade yo lagé yo, ambassade yo consulat yo fermé porte, pa gen aucun plan de rapatriement qui prévoit pour yo et ça pire là, pa gen aucun moyen qui prévoit pour assister financièrement si yo t'a trouvé dans des situations difficiles pour frapper porte dans ambassade yo. M'pense que li opportun pour journée jodi gouvernement haïtien prévoit un plan à travers le ministère des Affaires étrangères pour haïtiens sa compatriotes nous qui éparpillés à travers et Caraïbes blanc à travers Amérique latine dans nan pays sous-développé ça yo journée jodi pour qu'a jeune réponse efficace pour aider yo pour accompagner yo financièrement pour assister yo et si on t'a besoin. C'est ça que je pense qui est important. En même temps, on a mené bataille là sur le plan national, mais aussi faut penser à la communauté haïtienne dans tout, faut penser à compatriotes nous tout, faut avoir un plan qui intègre moun sa yo qui à l'étranger, haïtien qui à l'étranger, qui est exposé, qui est victime de discrimination sanitaire, qui est victime de sa yo le discrimination sanitaire. Je pense que c'est important. C'est mais ça m'a fait passer. Mandez-nous, t'en prie, partager mes messages pour qu'arrive jeune et gouvernement ça.